Voilà, nous sommes partis à Marseille avec le CCAS pour visiter principalement le MUSEM. MUSEM, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Il est ouvert l'an dernier à peu près à la même époque. Le bus nous conduit au MUSEM. Nous débarquons là tout près de la Major. Ce MUSEM, il est construit sur le site du Fort Saint-Jean et de l'un des môles du port de la Juliette. Une passerelle que l'on voit ici en noir, horizontalement, relie le fort Saint-Jean au MUSEM. Elle fait environ 130 mètres de long. Et voici cette nouvelle construction. La voici. Avec une enveloppe en alvéolé, en béton armé, d'un effet curieux. Voici la rondoure qui domine le bassin de la Joliette et la Major toute proche. La Major est la cathédrale de Marseille, en ville. C'est donc le deuxième édifice religieux de Marseille après Bonne-Mère. Voilà ce porte-à-faux. Et au début d'après-midi, déjà pas mal de monde. On voit bien la structure de l'eau, là, c'est marrant. Hein. C'est curieux. Le MUSEM, la galerie de la Méditerranée, donne lieu à beaucoup de controverses. Pour les Marseillais, le MUSEM, c'est un bâtiment de pierre, d'eau et de vent. Voici une belle vue sur le Faro. Ce même bâtiment est à l'entrée du vieux pont et nomme toute la région, la Joliette en particulier. On sait comment se lancer. Dans un musée, toujours sous le regard de la cathédrale, ainsi Ginette, Serge et compagnie. Voilà, l'entrée est enfin ouverte et nous pénétrons à l'intérieur. On va revenir à droite. Le MUSEM. C'est bien, c'est une belle réalisation, mais enfin, je pense que si l'extérieur est très joli, l'intérieur, il y a beaucoup à dire. Parce que le kiosque, c'est une entrée. Une exposition qui vraiment ne nous a pas ébloui. La projection cinématographique à l'intérieur, projection de vidéos en grand format, très coloré sur la Provence. Et voilà, des tas de petits trucs comme ça, on voit tout le long, des petits trucs, enfin, on ne sait pas bien tout ce que ça veut dire. Je pense qu'il nous manque une guide. On voit une statue romaine. C'est pas évident. Enfin, c'est la Méditerranée. Un feu d'âtre, toujours une projection, et des instruments, on ne sait pas trop à quoi ça peut servir. Et tout est bien présenté, il faut dire, hein. C'est pas une critique. La poterie.
J'ai le sentiment quand même que c'est une construction extrêmement importante et intérieure à vide. On n'a pas d'enseignement sur l'utilisation de tout ce matériel, tous ces engins. Donc on a un peu de déception pour nous. Et il faut revenir et transférer son issue des épaules lointaines. Des pays qui ont cette mer Méditerranée, qui vient de Belgique. Un bel oiseau, et je ne saurais vous dire qui c'est. On trouve une statue romaine, très belle, hein. Un beau drapeau, une belle tête, très bien réalisée. On trouve une voile, très ancienne, phénicienne, on dirait. Une projection vidéo. Une fois, il n'y aura plus une nuit. Et voilà la structure en béton, avec en arrière-plan le fort Saint-Jean, dans sa tour, et l'entrée du port. Voilà le port. D'un côté, on a le fort Saint-Jean, de l'autre, le fort Saint-Nicolas. On retrouve le palais du Pharaon vu à travers la structure en gros plan. Nous avons fait une visite il y a quelques années, c'était merveilleux. Et voici un bateau qui port. Et les nouveaux apostrophes qui a sur nos scènes pour lier un étage à l'autre. Et d'ici le plus haut. Un mouvement sur la Joliette. Et autour du Fort Saint-Jean, toute proche. Je rappelle qu'il y a une passerelle de 130 mètres qui réunit ce bassin au fond, qui maintenant est donc ouvert aussi à la visite. Nous sommes toujours dans le même lieu. Qui écoute ce port. Une vue plus proche. De la Joliette, et aussi maintenant la terrasse supérieure. Alors là, chapeau, très bien, un coup d'œil magnifique, on a bonne mer au fond. Thank you.
prendre votre photo. C'est la croûte, c'est salé qui est très bien. Et voilà, une vue bien sûr sur le Major. Et la tour qui domine le bassin Juliette. Est-ce que c'est un bateau qui rentre au port? La navigation est importante, les bateaux n'arrêtent pas de sortir et d'entrer dans le vieux pont. Et cette structure béton armé, le milieu du vent. Donc on trouve ici à notre sortie, toujours avec la bonne mer entre les fonds. Et la tour Saint-Jean en gros plan, toute gauche. De nouveau la Joliette. Nous sommes sur le retour. Et le Major. À droite le Bussin, bien sûr. Et une dernière rue de l'ensemble. Un panoramique sur un gros plan. De la tour Saint-Jean et puis la tour de la Joliette, les Majorons, tout proche, en voisine. Le port, l'avant-port si j'ose dire, devant la tour Saint-Jean, la bonne mer. Et la sortie du vieux port. Et une panoramique sur l'ensemble. Dans le vieux port, le fort Saint-Nicolas, à gauche la bonne mer. Rose de défense construite dans le passé. On retrouve le palais du Pharaon. Qui est en avant-garde de cette entrée, qui en est le Eudéon. Voilà, nous sommes sur un dernier coup d'œil à la Major. Et nous revoyons de vue ceux qui arrivent. Rassi, Kiris. Et là, une journée bien remplie.